Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Chacha Crochet Tuto. Dans cette vidéo, on va réaliser ensemble un modèle de set de table. Regardez comme il est magnifique. Vous voyez? Regardez là, je vais poser une assiette. Et voilà. Vous voyez le contour là? Il est trop beau. Voilà, on va le mesurer ensemble. Il fait 32 cm. Vous voyez? Voilà. Et j'ai utilisé en tout à peu près 60 g de fil. Et là, j'ai utilisé deux couleurs. Vous pouvez utiliser les couleurs que vous voulez ou le faire en couleur unie. Voilà, c'est à vous de voir. J'espère que mon tuto vous aura plu. On va voir maintenant de quoi on a besoin pour le réaliser. Pour crocheter ce modèle de set de table, j'ai utilisé ces deux couleurs, bleu canard et prune. C'est du 100% coton qui se crochette en 3,5. Voilà, vous pouvez utiliser les couleurs que vous voulez. J'ai utilisé également un crochet 3,5. Une aiguille à laine pour cacher les fils. Une paire de ciseaux. Voilà, on va passer maintenant à la partie réalisation. Alors, je vais prendre la couleur bleu canard. Je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. Voilà, à l'intérieur du cercle magique, je vais faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7 et la huitième. Je ferme le cercle. Maintenant, je vais piquer dans la première maille. Voilà, et je vais faire une maille coulée. On a terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais commencer par faire deux mailles en l'air que je vais les compter comme la première bride. Et je vais faire encore deux mailles en l'air de séparation. Donc deux mailles en l'air, je vais les compter comme la première bride avec deux mailles en l'air de plus comme séparation. Maintenant, dans la maille suivante, je vais faire une bride. Voilà. Deux mailles en l'air, maille suivante, une bride. Deux mailles en l'air, maille suivante, une bride. Voilà, je vous laisse terminer le deuxième rang en faisant deux mailles en l'air, maille suivante, une bride. Deux mailles en l'air, maille suivante, une bride. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Voilà, je termine deux mailles en l'air. Et je vais piquer ici dans la deuxième maille en l'air et je vais faire une maille coulée. Voilà. Maintenant le troisième rang, je vais me déplacer en maille coulée dans l'espace là de deux mailles en l'air. Voilà, je pique une maille coulée. Je vais commencer par faire deux mailles en l'air que je vais les compter comme la première bride. Maintenant dans le même espace, je vais faire trois brides. 1, 2 et la troisième. Et avec les deux mailles en l'air de début, ça fait 4. Maintenant, je vais faire une maille en l'air. Et je vais recommencer à faire le groupe de 4 brides dans chaque espace séparé d'une maille en l'air. Donc, espace suivant, 4 brides. 1, 2, 3, 4, une maille en l'air, espace suivant, 4 brides, 1, 2, 3, 4, et une maille en l'air. Voilà, je vous laisse terminer en faisant 4 brides sur chaque espace
avec une maille en l'air de séparation entre chaque groupe. Voilà, je vous laisse terminer le troisième rang et on se retrouve. Voilà, j'ai fait le dernier groupe de 4 brides. N'oublie pas de faire une maille en l'air. Et je vais piquer ici dans la deuxième maille en l'air de début et je vais faire une maille coulée. Voilà, on a terminé le troisième rang. Maintenant, le quatrième rang, je vais commencer par faire deux mailles en l'air que je vais les compter comme la première bride. Maintenant, je vais faire bride sur chaque bride du rang précédent. Là, déjà, on a 4 brides. Donc là, j'ai fait 2, 3, 4. Et dans l'espace là, entre les deux groupes, je vais faire 2 brides. Une et deux. Vous voyez, on va répéter ça. Sur le groupe, on va faire bride sur bride. Et dans l'espace, on va faire 2 brides. Encore une fois. Une, deux, trois et quatre. On a fait 4 brides et dans l'espace ici, on va faire 2 brides. Une et deux. Voilà, je vous laisse terminer le rang en faisant une bride sur chaque bride de rang précédent et dans l'espace ici entre les groupes, on va faire 2 brides. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. Je vais faire une maille coulée dans la deuxième maille en l'air de début. Voilà. Maintenant, le cinquième rang, je vais commencer par faire une maille en l'air. Je vais retourner dans le même espace et je vais faire une maille serrée. Voilà, maille suivante, je pique. Une maille serrée, maille suivante, une maille serrée. Donc je vais faire une maille serrée sur chaque maille du rang précédent. Voilà, vous allez faire en tout 48 mailles serrées. Voilà, maille serrée sur chaque maille. Voilà, je vous laisse terminer le rang en faisant une maille serrée sur chaque maille et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le rang. Je vais piquer dans la première maille serrée et je vais faire une maille coulée. Voilà. Maintenant, le sixième rang, on va commencer par faire deux mailles en l'air que je vais les compter comme la première bride et je vais faire deux mailles en l'air de séparation. Je fais un jeté, je vais laisser une maille et dans la maille suivante, je vais faire une bride. Voilà, je recommence deux mailles en l'air. Je laisse une maille, maille suivante, une bride. Deux mailles en l'air. Je laisse une maille, maille suivante, une bride. Deux mailles en l'air. Je laisse une maille, maille suivante, une bride. Deux mailles en l'air. Je laisse une maille, maille suivante, une bride. Voilà, je vous laisse terminer le rang en faisant deux mailles en l'air. On laisse une maille en bas, maille suivante, une bride. Deux mailles en l'air, on passe une maille, maille suivante, une bride. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. N'oubliez pas de faire les deux mailles en l'air à la fin. Et je vais piquer ici dans la première maille en l'air et je vais faire une maille coulée. Maintenant, le septième rang, je vais me déplacer dans l'espace ici avec une maille coulée. Voilà, je vais commencer par faire deux mailles en l'air que je vais les compter comme la première bride. Dans le même espace, je vais faire encore deux brides. Une et deux. Donc, on a en tout 3 brides. Maintenant, je vais faire une maille en l'air. Je vais aller dans l'espace suivant et je vais faire 3 brides. Une, deux, trois. Une maille en l'air.
Espace suivant, 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Espace suivant, 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Voilà, je vous laisse terminer le rang en faisant dans chaque espace 3 brides. Et entre les groupes de 3 brides, vous faites une maille en l'air de séparation. Voilà, je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. J'ai terminé le 7e rang. N'oublie pas de faire la maille en l'air à la fin. Et je vais piquer dans la 2e maille en l'air du début. Et je vais faire une maille coulée. Voilà. Le 8e rang, je vais commencer par faire 2 mailles en l'air que je vais les compter comme la première bride. Maintenant, la bride suivante, on a déjà ici 3 brides. La bride suivante, je vais faire une bride individuelle. Dans la troisième bride, je vais faire une troisième bride individuelle. Donc, j'ai fait bride sur bride. Dans le premier espace, on va faire une bride individuelle. Maintenant, je continue à faire bride sur bride. 1, 2, 3. Et dans le deuxième espace, on va faire 2 brides. 1 et 2. Voilà, c'est ce qu'il faudrait répéter. En fait, sur le premier groupe, on va faire les 3 brides. Le premier espace, on va faire une bride individuelle. Après, sur le groupe, on va faire bride sur bride. Et le deuxième espace, on va faire 2 brides. Donc, dans le premier espace, on va faire une bride individuelle. Dans le deuxième espace, on va faire 2 brides individuelles. Voilà. Donc, je répète. La bride sur bride. 1, 2, 3. Dans le premier espace, je vais faire une bride individuelle. Là, je continue à faire bride sur bride. 1, 2, 3. Dans le deuxième espace, je vais faire 2 brides individuelles. 1 et 2. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. Je vais piquer dans la 2e maille en l'air de début. Et je vais faire une maille coulée. Voilà, maille coulée. Le 9e rang, je vais faire une maille en l'air. Je vais piquer dans le même espace. Et je vais faire une maille serrée. Maille suivante, je pique une maille serrée. Maille suivante, je pique, maille serrée. Maille suivante, je pique, maille serrée. Voilà, on va faire maille serrée sur chaque maille, tout le rang. Voilà, vous aurez à la fin 108 mailles serrées. Voilà, je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé. Maintenant, je vais faire une maille coulée dans la première maille serrée de début. Et voilà. Maintenant, le 10e rang. Je vais commencer par faire 2 mailles en l'air que je vais les compter comme la première bride et 2 mailles en l'air de séparation. Je vais laisser ici 2 mailles et je vais piquer dans la troisième et je vais faire une bride. Voilà, 2 mailles en l'air de séparation. Je vais laisser 2 mailles et dans la troisième, je pique une bride. 2 mailles en l'air de séparation, je laisse 2 mailles, dans la troisième je pique une bride. 2 mailles en l'air, je laisse 2 mailles de séparation, je pique dans la troisième une bride. 2 mailles en l'air, je laisse 2 mailles, je pique dans la troisième une bride. Voilà, je vous laisse terminer le 10e rang et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé. J'ai fait les 2 dernières mailles en l'air.
Maintenant, je vais piquer ici dans la première bride, dans la deuxième maille en l'air, et je vais faire une maille coulée. Voilà, maintenant le 11e rang, je vais me déplacer ici dans l'espace et je vais commencer par faire deux mailles en l'air que je vais le compter comme la première bride. À l'intérieur du même espace, je vais faire deux brides, une et deux. Donc avec les deux mailles en l'air, ça fait trois brides. Maintenant, je vais faire une maille en l'air. Espace suivant, je pique. Je vais faire trois brides. Une, deux et trois. Une maille en l'air de séparation entre les deux groupes. Espace suivant, trois brides. Une, deux, trois. Une maille de séparation. Espace suivant, trois brides. Une maille de séparation. Voilà, je vous laisse terminer le 11e rang et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé le 11e rang. N'oubliez pas de faire une maille en l'air à la fin. Après, je vais piquer dans la deuxième maille en l'air ici. Et je vais faire une maille coulée. Voilà. Maintenant, le 12e rang, je vais commencer par faire deux mailles en l'air que je vais les compter comme la première bride. Maintenant, sur le premier groupe de trois brides, je vais faire trois brides. Donc, les deux mailles en l'air, c'est la première bride. Maille suivante, une bride. Maille suivante, une bride. Dans l'espace ici, je vais faire une bride. Voilà, ça c'est le premier groupe. Deuxième groupe, on va faire pareil. Bride sur bride. Donc là, on a trois brides. On va faire en haut trois brides. J'ai fait la première, la deuxième et la troisième. Dans l'espace, je vais faire une bride. Maintenant, le troisième groupe, il y a une légère différence. On va faire sur la première bride une bride individuelle. Sur la bride du milieu, on va faire une augmentation. Donc, deux brides dans la même maille. Une et la deuxième. Et sur la dernière bride, on va faire une bride. Dans l'espace ici, on va faire une bride individuelle. Voilà, c'est ce qu'il faut répéter. Donc, sur le premier groupe, on va faire trois brides. Dans l'espace, une bride. Sur le deuxième groupe, on va faire trois brides. Dans l'espace, une bride. Et sur le troisième groupe, on va faire quatre brides. C'est-à-dire, une bride sur la première bride, une augmentation sur la deuxième bride, une bride sur la troisième bride et dans l'espace une bride individuelle. Il faut répéter ça. Donc sur le premier groupe, on va faire une bride, la deuxième et la troisième. Voilà. Dans l'espace, on va faire une bride. Sur le deuxième groupe, on va faire trois brides individuelles, c'est-à-dire une bride sur chaque bride du rang précédent. Dans l'espace, on va faire une bride. Et sur le troisième groupe, c'est là qu'on va faire une bride supplémentaire. Donc, sur la première bride, on va faire une bride individuelle. Sur la bride du milieu, on va faire une augmentation. Une et deux. Et sur la troisième bride, on va faire une bride individuelle. Voilà, et dans l'espace, une bride individuelle. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé le 12e rang. N'oubliez pas de faire la dernière bride dans l'espace. Maintenant, je vais piquer dans la deuxième maille en l'air et je vais faire
une maille coulée. Voilà. Maintenant, le 13e rang, on va commencer par faire une maille en l'air. Je retourne dans le même espace ou dans la même maille et je vais faire une maille serrée. Maille suivante, je pique. Maille serrée. Maille suivante, je pique. Maille serrée. Maille suivante, je pique. Maille serrée. Voilà. Ce rang, on va travailler en maille serrée. Donc, on va faire une maille serrée sur chaque maille. Voilà. Vous voyez? Une maille serrée sur chaque maille. Et vous aurez à la fin 144 mailles serrées. Voilà, je vous laisse terminer le 13e rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. Donc, je vais faire une maille coulée sur la première maille serrée. Voilà, une maille en l'air et je vais couper le fil bleu canard. Voilà. Maintenant, vous vous rappelez là, au 5e rang, on a travaillé en maille serrée. Aussi au 9e rang et au 13e rang, on a travaillé en maille serrée. Vous voyez? Là, là et là. Maintenant, on va travailler dans ces rangs. Donc, je vais prendre la couleur prune. Je vais commencer par faire un nœud coulant. Voilà. Je sors l'aiguille. Je vais aller ici, regardez, ça c'est le 5e rang du maille serré. Et ça c'est le 4e rang, c'est des brides. Je vais piquer entre le 4e et le 5e rang. Vous voyez? Je vais remettre la boucle sur le crochet. Je vais la faire passer comme ça. Vous voyez? Maintenant, je vais piquer dans la maille suivante. J'attrape le fil par derrière, je le fais sortir et je vais faire une maille coulée. Vous voyez? Je répète, je pique dans la maille suivante, j'attrape le fil par derrière, un jeté et je fais une maille coulée. Vous voyez? Encore, je pique dans la maille, j'attrape le fil par derrière, un jeté. Et je vais faire une maille coulée. Vous voyez, maille suivante, je pique, j'attrape le fil, un jeté, et je vais faire une maille coulée. Voilà. Maille coulée. Vous voyez, je pique dans la maille suivante, je fais un jeté, je sors le fil, j'ai une deuxième boucle. Et une maille coulée. Voilà, maille coulée. Je pique, maille coulée. Je pique, vous serrez pas trop, hein? Maille coulée. Je pique, maille coulée. Voilà, je vous laisse terminer en travaillant en maille coulée et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé la dernière maille coulée. Je vais couper le fil. Voilà, je le sors par là. Je vais prendre l'aiguille à laine. Je vais piquer ici à la première maille. Dans le premier espace en fait. Voilà, et je vais faire un nœud avec le fil de début et le fil de la fin. Voilà, et je vais les cacher. Regardez, j'attrape les brins de fil là qui dépassent. Regardez, le premier comme ça, deuxième comme ça, ça reste la même couleur. Voilà, un coup à gauche, un coup à droite. Vous voyez?
Voilà, je le cache bien. Voilà, et je coupe le fil. Voilà, je vais faire pareil avec celui-là et on se retrouve pour continuer. Voilà, j'ai terminé. Maintenant, je vais faire pareil ici entre le rang 8 et 9. Donc, je vais commencer par faire un nœud coulant. Voilà, je sors le crochet. Je vais prendre, là, regardez, je pique entre la bride et la maille serrée. Donc, entre le 8e et le 9e rang, j'attrape la boucle et je vais la faire sortir ici. Voilà. Maintenant, je vais piquer dans la maille suivante. Je fais un jeté, une maille coulée. Voilà, c'est le même principe que ce rang. Maille suivante, je pique, maille coulée. Maille suivante, je pique, maille coulée. Voilà. Ne vous serrez pas le fil. Hein? Voilà. Voilà, je vous laisse terminer ce rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. Maintenant, je vais couper le fil. Je tire. Je vais prendre l'aiguille à laine. Voilà. Et je vais piquer ici, vous voyez où j'ai commencé. Voilà. Maintenant, je vais faire un nœud avec ces deux morceaux de fil. Et je vais les cacher comme je vous ai montré tout à l'heure. J'attrape un brin de fil. Je pique maintenant par là, à gauche. Maintenant, je pique à droite, je pique à gauche, à droite. Voilà, j'avance un bon moment, comme ça, au lavage, ça se défait pas. Voilà, et je coupe le fil. Voilà, je vais cacher le deuxième morceau et on se retrouve pour continuer. Voilà, maintenant on va travailler pareil ici entre le rang 12 et 13. Voilà, le dernier rang c'est des mailles serrées. Voilà, je vais prendre le fil, un nœud coulant. J'enlève le crochet. Je vais piquer ici entre le rang 12 et 13. Maintenant, je pique dans la maille suivante. J'attrape le fil. Une maille coulée. Maille suivante, je pique. J'attrape le fil. Une maille coulée. Maille suivante, je pique. J'attrape le fil. Maille coulée. Je pique, j'attrape le fil, maille coulée. Voilà, maille suivante, je pique, maille coulée. Voilà, je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. Maintenant, je vais couper le fil. Voilà, je tire. Je vais prendre l'aiguille à laine. Voilà, je vais piquer ici. Et je vais faire un nœud avec ces deux morceaux de fil. Voilà. Et je vais les cacher. Je vais cacher ce fil aussi.
Voilà, je vous laisse cacher les fils et on se retrouve. Voilà, j'ai caché tous les fils. Voilà, regardez le résultat. Maintenant, on va continuer. On va faire le 14e rang avec la couleur prune. On va continuer avec la même couleur. Donc, je vais commencer par faire un nœud coulant. Voilà. Je vais piquer ici dans une maille. Et j'attrape la boucle. Je vais la faire passer. Et je fais une maille en l'air. Maintenant, je vais piquer dans le même espace. Et je vais faire une maille serrée. Vous voyez? Maintenant, je vais faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais laisser ici 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Je pique dans la cinquième maille. Et je vais faire une maille serrée. Vous voyez? Maintenant, je vais faire 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, je vais compter d'en bas ici une maille en l'air et dans la deuxième, je pique. Voilà, j'ai laissé une maille en l'air et dans celle d'après, je pique et je vais faire une maille serrée. Vous voyez? Maintenant, je vais faire deux mailles en l'air. Une et la deuxième. Je vais laisser ici 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la sixième, je pique. Et je vais faire une maille serrée. Voilà, vous voyez? C'est la séquence qu'il faut répéter. Donc, je vais recommencer par là et après ce motif. Donc, je vais commencer par faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais laisser ici 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Je pique dans la cinquième et je fais une maille serrée. Maintenant, je vais faire 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je vais laisser la première maille. Je pique dans la deuxième et je fais une maille serrée. Maintenant, deux mailles en l'air. Je vais laisser ici 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Je pique dans la sixième et je vais faire une maille serrée. Vous voyez? Je vais répéter encore une fois. On va commencer par faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais laisser ici 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Et dans la cinquième, je pique une maille serrée. Maintenant, je vais faire 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais laisser cette maille, la première, et je pique dans la deuxième, en bas, en comptant en bas. Une maille serrée. Maintenant, je vais faire deux mailles en l'air, une et deux. Je vais laisser 5 mailles, 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la sixième, je pique une maille serrée. Voilà. Je vous laisse répéter ces motifs tout le rang. Et on se retrouve. Voilà, j'ai presque terminé, mais à la fin ici il nous reste deux mailles libres, donc je vais ajouter, j'ai déjà ajouté une maille ici. Ici, au lieu de compter 4 et piquer dans la cinquième, j'ai compté 5 et j'ai piqué dans la sixième. Voilà, et là c'est le dernier motif. Je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'habitude, je pique dans la sixième. Je vais ajouter une et je pique ici et je vais faire
une maille coulée. Vous voyez? Voilà. C'est ce qu'on doit obtenir pour le moment. Maintenant, le 15e rang. Je vais faire tout d'abord une maille en l'air. Et je vais piquer dans le premier arc ici. Vous voyez? Je pique à l'intérieur. Voilà. Et je vais faire dans cet arc 9 mailles serrées. Celle-là, c'est la première. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et la 9e maille serrée. Vous voyez? Maintenant, ici, vous voyez là, je vais faire 2 mailles serrées. Une et la deuxième. Maintenant, ici, dans le petit cercle, on va faire 18 brides. Je fais un jeté, je pique à l'intérieur et je vais commencer à travailler en bride. Une, deux, trois, quatre, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et la 18e bride. Voilà. Ici, sur les deux mailles en l'air, je vais faire deux mailles serrées. Une et la deuxième. Voilà, c'est ce qu'il faut répéter. Donc, sur le premier arc ici, on va faire 9 mailles serrées. Ici, où il y a les deux mailles en l'air, on va faire 2 mailles serrées. Dans le petit cercle là, on va faire 18 brides. Et ici, sur les deux mailles en l'air, on va faire 2 mailles serrées. Vous voyez, on obtient ça. Je vais répéter ça une fois avec vous. Donc, le premier arc, on va faire 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et la 9e. Voilà. Ici où il y a les deux mailles en l'air, je vais faire deux mailles serrées, une et la deuxième. Dans le petit cercle ici, on va faire 18 brides. Une, deux, trois, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17 et la 18e bride. Voilà, maintenant ici sur les deux mailles en l'air, on va faire deux mailles serrées, une et deux. Voilà, c'est ce qu'il faut répéter tout le long. Vous voyez, donc là, 9 mailles serrées, ici 2 mailles serrées, dans le cercle on va faire 18 brides, et ici sur les deux mailles en l'air, on va faire 2 mailles serrées. Voilà, je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le 15e rang, comme vous voyez. Maintenant, on va faire le 16e rang. Là, quand j'ai terminé de faire les deux mailles serrées, je vais piquer dans la première maille serrée. Et je vais faire une maille coulée. Voilà. Maintenant, on va commencer le 16e rang. Je vais me déplacer en maille coulée jusqu'à arriver à la 5e maille serrée ici. Donc là, la première, j'ai déjà fait une maille coulée. La deuxième, je fais une maille coulée. La troisième, maille coulée. La quatrième, maille coulée. Et la cinquième, maille coulée. Voilà, je vais faire là une maille en l'air, je vais piquer dans la même maille et je vais faire une maille serrée. Voilà. Maintenant, je vais faire deux mailles en l'air. Je vais aller directement à la troisième bride. Là, c'est la première, la deuxième et la troisième. Je vais piquer dans la troisième bride et je vais faire une bride individuelle. Voilà, une maille en l'air, maille suivante, une bride, 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 une maille en l'air, maille suivante, une bride. 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 Maille en l'air, maille suivante, une bride. Une maille en l'air, maille suivante, une bride. Je vais terminer comme ça et les deux dernières brides, je vais les laisser. Je vais pas terminer, donc là il me reste 1, 2, 3 brides. Une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et la dernière bride. Vous voyez? J'ai laissé au début deux brides, je ne les ai pas travaillées. Et à la fin, deux brides. Maintenant, je vais faire deux mailles en l'air. Une, deux. Je vais compter ici. On a ici 9 mailles serrées. Je vais compter 1, 2, 3, 4. Et dans la cinquième, je pique et je fais une maille serrée. Voilà, c'est ce qu'il faut répéter. Donc, je recommence. Deux mailles en l'air. Je vais aller directement à la troisième bride. Là, je laisse la première. La deuxième, je pique dans la troisième. Et je fais une bride. Une maille en l'air. Une bride, maille suivante. Une maille en l'air. Maille suivante, une bride. Une maille en l'air. Maille suivante, une bride. Une maille en l'air. Maille suivante, une bride. Une maille en l'air, maille suivante, une bride. Une maille en l'air, maille suivante, une bride. Une maille en l'air,
maille suivante, une bride, une maille en l'air, maille suivante, une bride individuelle, une maille en l'air, une bride, 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 une maille en l'air, et à la fin là, n'oubliez pas de laisser deux brides. Voilà, deux, donc c'est la dernière là à faire. Une bride. Vous voyez? Maintenant, je vais faire deux mailles en l'air. Je vais compter ici 1, 2, 3, 4 et dans la cinquième, je pique une maille serrée. Deux mailles en l'air et je recommence. Là, je vais laisser la première et la deuxième bride. Et dans la troisième, je vais commencer à travailler en bride. Une maille en l'air, maille suivante, une bride, une maille en l'air. Voilà. Je vous laisse travailler comme je vous ai montré là, tout le rang, et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé le 16e rang, comme vous voyez. Maintenant, n'oubliez pas de faire deux mailles en l'air à la fin. Après, je vais piquer dans la maille serrée, ici. Et je vais faire une maille coulée, une maille en l'air, et je vais couper le fil prune. Voilà, et je tire. Maintenant, je vais prendre la couleur initiale, c'est bleu canard. Et si vous voulez continuer avec la même couleur, au lieu de couper le fil ici, vous vous déplacez en maille coulée jusqu'à arriver au deuxième espace. Vous voyez là, c'est le premier. Voilà. Et là, c'est le deuxième. Si vous allez faire comme moi, vous allez prendre la nouvelle couleur. Vous allez faire un nœud coulant. Après, vous allez piquer ici dans le deuxième espace. Regardez là, vous laissez le premier. Vous piquez dans le deuxième. Vous allez chercher le nœud coulant, une maille en l'air, vous allez piquer à nouveau pour faire une maille serrée et une maille en l'air. Vous voyez, cette maille serrée et la maille en l'air, je vais les compter comme la première bride. Maintenant, je vais faire 1, 2, 3 mailles en l'air, je vais piquer ici sur la première des trois mailles en l'air, je vais piquer et je vais faire un picot. Vous voyez, maintenant un jeté, je vais aller à l'espace suivant, je vais faire une bride, trois mailles en l'air, 1, 2, 3. Je pique ici et je vais faire un picot, une maille serrée. Vous voyez, je recommence, maille, espace suivant, une bride, trois mailles en l'air. Je pique ici, je prends les deux brins comme ça et je vais faire une maille serrée. Un jeté, espace suivant. Une bride, trois mailles en l'air, j'attrape ici les deux brins de fil et je vais faire une maille serrée, un jeté, espace suivant, une bride, trois mailles en l'air, j'attrape ici les deux brins de la maille et je vais faire une maille serrée, un jeté, espace suivant, une bride, trois mailles en l'air, je pique ici, j'attrape les deux brins et je vais faire une maille serrée, espace suivant, une bride, trois mailles en l'air, j'attrape le brin de fil ici et je vais faire un picot.
maille serrée. Voilà, vous allez continuer comme ça et à la fin vous laissez un espace. Vous voyez, au début on a laissé un et à la fin on va laisser un. Voilà, je vais continuer avec vous. Espace suivant, bride, 3 mailles en l'air, un picot, donc je vais faire une maille serrée, voilà, espace suivant, bride, 3 mailles en l'air, j'attrape les deux brins ici, vous voyez là, là il y a la bride, juste en haut, on voit le brin de fil, on l'attrape et on fait une maille serrée. Espace suivant, bride, 3 mailles en l'air, là, vous voyez, ça se voit très bien le brin de fil, là, on l'attrape, maille serrée, un jeté, là c'est le dernier déjà, vous voyez, je vous ai dit, on laisse un espace, on ne travaille pas dans cet espace, donc, une bride, mailles en l'air, j'attrape le brin de fil, une maille serrée pour faire le picot. Vous voyez, voilà, c'est ce qu'on va obtenir. Voilà, je continue. Là on va passer directement au deuxième espace ici, vous voyez, on laisse le premier et on va passer directement au deuxième. On va faire un jeté, on pique ici une bride, on va refaire ça en fait, 3 mailles en l'air, on attrape ici le brin et une maille serrée pour faire le picot. Espace suivant, une bride, 3 mailles en l'air, on attrape ici le brin de fil, maille serrée pour faire un picot, un jeté, espace suivant, bride, 3 mailles en l'air, un picot. Voilà, je vous laisse terminer tout le rang comme ça. En faisant, on va travailler déjà ici, on va laisser un espace, donc ici on va laisser un espace, on va aller au deuxième espace, on va faire une bride, 3 mailles en l'air, on les ferme avec maille serrée pour faire un picot et après espace suivant on recommence, voilà, jusqu'à terminer tout le rang. Voilà, je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le dernier tour. Comme vous voyez, il me reste là à fermer ici par une maille coulée. Vous voyez, j'ai fait le dernier picot, maintenant je vais piquer ici dans la première maille serrée. Et je vais faire une maille coulée, une maille en l'air, et je coupe le fil et je tire. Voilà, vous voyez, maintenant je vais cacher tous ces fils et on se retrouve. Voilà, ça y est, j'ai terminé, regardez, j'ai caché tous les fils, voilà. Regardez, maintenant je vais mettre les assiettes, vous voyez, voilà. J'espère que mon tuto vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto.